Bonjour à tous. Addison de retour sur No Man's Sky. Je suis un peu parti rapidement sur le stream d'avant parce que du coup j'ai eu un méchant bug dans Cargo. Alors j'ai pas rage quitte, mais presque. Visiblement, je l'avais toujours le bug là, mais j'ai réussi à tout remettre, à tout réparer. J'ai sauvegardé, j'ai remis mes 4 pièces. J'ai l'impression qu'elles n'étaient pas à la bonne place parce qu'il a fallu que je supprime une sorte de mur. Donc j'ai pas compris ce qui s'est passé. Pour l'instant ça va. J'ai réussi enfin à mettre mon téléporteur. Donc oui, je suis content. Mais j'ignore complètement ce qui a pu se passer. Cette cache du cargo, j'ai accès à mes coffres, donc c'est plutôt pas mal. Ça, je l'ai mis où? Je l'ai mis dans le cargo, d'accord. Ok, ça va là, ça là. Je me demande un truc, je me demande si ça n'a pas bugué quand j'ai mis le deuxième coffre. Parce qu'il ne faut pas oublier que je ne l'ai pas débloqué. Est-ce que j'en ai un peu de quoi le débloquer? Non, c'est pas ça, c'est ça. Non, j'en ai que deux. Donc, je sais pas. Peut-être que ça... C'est possible que ça a joué. Je vais me rendre à ma base pour aller ranger des choses. Je vais récupérer les données récupérées et je vais débloquer le deuxième coffre. Parce qu'il y a un truc qui était bizarre, c'est que d'après le cargo, je pouvais mettre le coffre numéro 1. Donc j'ai déjà mis le 0 parce que j'avais débloqué. Mais dans le cargo, je peux mettre le coffre numéro 1 alors que je ne l'ai pas débloqué dans le Nexus. Peut-être que c'est ça qui a créé une sorte de conflit, une sorte de bug. Je sais pas. Donc pour l'instant, dans le doute, je vais m'abstenir. Je vais mettre le sel. Non, et pas le poivre. Non, j'ai failli dire le poivre. Le sel et le chlore ici. Parce que pour l'instant, j'ai plus de place dans... Oh, mais qu'est-ce que ça me fait chier, ces données récupérées. Pareil, perle vivante dans l'hexanef. Avec les trucs qu'il y aura besoin pour l'eau, ça je le garde parce que c'est sur ma mission actuelle. Les câblages, je ne vais pas les avoir sur moi, je vais les mettre dans le vaisseau. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? L'argent dans le coffre, microprose. Poubelle. Et alors pulnéum, je vais le garder. Il va aller à côté de la mordite. Ben justement, c'est ça que je voulais récupérer. Donc l'argent là, hop, le pulnéum ici avec la mordite, super. Et puis ben, c'est tout. On est bon ici, on est bon, les données récupérées. Ok. Le vaisseau, on est propre. Non, je vais pas remettre l'essence maintenant, je vais attendre que ça s'épuise pour mettre le... Ah, j'en ai 4. Ouais, bah, je vais quand même attendre que ça s'épuise. Ok, ça oui par contre. Multi-outils. Moi, j'ai même pas rechargé avant de quitter. Sacrilège. Ok. L'exonef, on est bon. Et le cargo. Il va falloir que je mette la... Je sais pas, au niveau technologie, pour que je puisse avoir la technologie pour pouvoir m'envoyer d'ici. Je vais en profiter. Pour remettre un peu. Ok,
Ça en est bon. Je sauvegarde. J'espère que je vais pas retrouver le bug. Parce que du coup, à chaque fois, il faut que... Ah, mais au fait... les archives de la base, ça devrait être bon, non? Bah voilà. Il faut que je suive des coordonnées. Merde. Ok. Et je vais changer. Pourquoi maintenant ça me met systématiquement sur le guide? C'est nouveau ça. Et la recherche scientifique. J'ai encore retiré le noyau. Excellent. Ok. Donc là, rendez-vous à un monolithe, reconnecter les scientifiques à la convergence. D'accord. Il est où ce monolithe? Il est là-bas. D'accord. Oh, la fenêtre qui s'ouvre quand je passe. Je crois que j'aurai le droit à quasiment tous les bugs du jeu là quand même. Hein. Encore une position approximative. Évidemment, il ne le voit pas. Où est-ce qu'il peut être? On se m'étonnerait qu'il soit en bas. Il n'est pas là. Il n'est pas. Ah! C'est quoi ça? Non. Où est-ce qu'il peut être? Ah, c'est bâtard, parce que s'il est en haut de la montagne... Mais non, ah, quoique... Il pourrait être par là. Et ça, c'est quoi? Non, c'est des cailloux. Ah, ça pourrait m'intéresser. Allez. Ça m'intéresse. Ah non, je vais atterrir dessus. Mais c'est pas vrai. Oh, t'es pas... C'est pas possible. Hein. Ah ben je l'aurais pas. Hein. J'en ai au moins perdu un quoi. C'est pas ça que je veux que tu me donnes. C'est pas des données de navigation. Oui, c'est bon. J'en ai eu un. Ah, c'est con parce qu'il y en a un autre en dessous. J'ai atterri dessus comme un goré. Non mais j'ai pas accès. Bon bah tant pis. Hein. Du coup, où est le bâtiment 463? Le problème, c'est qu'il change de... C'est qu'il change de... d'itinéraire. Une grotte ici, tout en haut de la montagne. C'est original. 352. Ok. Bon, là, en gros, faut sauter dans le vide. Et peut-être sur l'autre pente de la montagne. Par là. Ah oui, c'est carrément... Hein. Ok. Ok, allons-y. Ok. Je vais voir si j'ai pris les... Super, j'ai appris le mot « se » en Corvax. Être en Corvax et ah, ok.
Donc on retourne à la base. Et là, il va me dire, faut attendre 6 heures, c'est ça? Je ne dois pas être loin de la vérité. Il y a quoi ici dans le trou? C'est quoi? Ouais, un bâtiment. Ok. Je me demande si c'était pas une unité de production. Ok. Ça, ça m'emmerde littéralement. Ouais, ben, je le laisse là, je jetterai. Je jetterai plus tard, je vais pas le jeter toutes les 5 minutes, c'est fatigant. Ouais, je pense qu'il va me dire. Regardez, il est débranché. C'est bon ça. Donc j'ai lui réinséré le noyau. Oui. Circuit imprimé. Oh punaise, je me souviens, il faut le fabriquer. Un cube de la convergence. Non, c'est lui qui va demander. Je me souviens, c'est lui qui me demande de fabriquer ça. Et là, il veut un cube de la convergence, c'est ça? J'en ai dans l'exonef ou pas? Non. Ok. Ah, il me dit d'accord. Il me dit carrément où aller. D'accord. Position approximative, tant qu'à faire. Là, il y a un bâtiment. Est-ce que ça serait celui-là? Non, c'est trop loin. Je vais quand même voir ce que c'est, on sait jamais. Mais c'est trop loin. C'est juste une sauvegarde. Ok. Et là... Ah, il y a un bâtiment là-haut. Je pense que ça peut être là. C'est possible. Ah, je vois qu'il y a une sentinelle. Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Donc il va falloir défoncer la porte encore une fois. J'ai une sentinelle derrière moi. Ah non, faut pas défoncer. Si, il faut défoncer la porte. Passer directement au niveau 2. D'accord. Alors que je m'approche du terminal, je ressens une tristesse et une peine immense. J'entends les échos d'un millier d'âmes, des entités auxquelles la vie a été volée il y a bien longtemps. Non convergent, user restored. Sur l'écran, je vois les chaînes de production de cette usine, un vaste étalage de cubes contenant les souvenirs d'une espèce tout entière. Il semble piégé dans un cycle traumatique sans fin, incapable de quoi que ce soit, sinon de répéter leur tragédie. Le terminal identifie ces objets comme des cubes de la convergence. Bon, c'est pas le premier, c'est sûr. Ben, il faut un cube, donc j'ai envie de dire, essayer de prendre un cube. Je tente d'extraire un cube de la chaîne de fabrication. J'y parviens, mais je ne peux m'empêcher d'avoir l'impression d'avoir commis un crime horrible. Ben oui, j'ai volé des souvenirs. Mais en même temps, il fallait que je rapporte un cube. Donc je voyais... C'est bon, je peux sortir la sentinelle, là? Tu mâches la grappe?
Alors, le vaisseau est derrière. J'oublie pas que j'ai fait une sauvegarde manuelle dans le cargo. Donc j'aimerais bien retourner rapidement dans le cargo pour vérifier que ça n'a pas encore bugué. Sinon, en théorie, il faudrait que je relance ma sauvegarde manuelle, mais j'ai joué depuis. Donc c'est pour ça que je vais tout de suite y aller. Moi, je vais même tout de suite y aller avant même d'aller voir le. Ah, quoi que temps, parce que je crois que. Après, il va me demander encore 6 heures d'attente, donc autant se débarrasser de cette mission. Ok. Bah oui, de toute façon, il fallait le condensateur de chaleur pour pouvoir fabriquer le truc qu'il me demande. Et du coup, il m'a encore changé la mission, hein, il est pas vrai. Ah, il n'y en a plus? Il n'y a plus de mission? Ok. Il me donne des nanites. Oh, tu parles 5 nanites. Et alors? Ok. Oh, oui, ok, il n'y a plus de mission. Et c'est lui qui va demander, normalement, qui va me demander de construire le truc là, justement. Bah, je sais pas. Les deux s'en foutent. Alors. Le vert, c'est le cargo. Bon, déjà, la pièce est toujours là puisque je peux m'y téléporter. On va voir, j'espère, hein. Oui, ça a l'air d'aller. Ici c'est bon, et ici c'est bon. Pour l'instant, tout est là encore. Super. Du coup. Alors attends, je voudrais juste ranger ça. J'ai déjà ça et je vais en mettre un comme ça. Ok. D'accord. Super. Bon, du coup, je vais repartir sur la base. Avant, il faut que j'aille au Nexus. Il faut que je débloque le truc. Parce que si c'est ça qui a fait bugger mon cargo. Je viens de débloquer le deuxième coffre. Ah, oui, j'ai assez, oui. Ça va, Nexus est juste là. Oui, dans l'absolu, il faudrait que je me repaye au moins une ou deux frégates, que je puisse les envoyer quand même en mission. Parce que là, du coup, là, avec une, j'ai pas assez. J'ai que des missions 2 étoiles, donc... Je vais essayer de me trouver ce soir au moins 2 frégates. Ça devrait être facile puisque les cargos qui peuvent partout tout le temps. Donc ça devrait pas être difficile. Donc là, il faut que je libère un coffre. J'ai bien au fur et à mesure que j'aurai besoin, j'ai pas. Parce qu'il
faut que je garde des trucs sous la main. Oui, donc le 1, il est, voilà, le 1, je ne l'ai pas acheté. Ce qui est bizarre, c'est que je pouvais le, et je l'ai d'ailleurs construit dans le cargo. Ok. J'ai libéré le 1. Ok. J'ai libéré juste le 1, c'est tout. Est-ce que j'ai déjà acheté le truc ici? Oui. Du coup, je vais retourner à la base. J'oublie pas que j'ai une mission geek à faire aussi. Je construis dans le multi-outil, ça disparaît. Je construis dans le cargo, ça disparaît. Au bout d'un moment, c'est saoulant. C'est saoulant. C'est en plus, du coup, je perds les compos. Alors, je suis peut-être pas financièrement à 2-3 compos près, c'est sûr, mais c'est saoulant. Du coup, puisque la mission, celle-ci, maintenant, il faut faire quoi? Dans un autre monde sur la carte galactique. D'accord, c'est parti. Parce que c'est ça que je comprends pas, c'est que il n'y a plus rien en ce qui concerne ces mecs-là. Rêve des profondeurs, une planète. Non. Agrandissement de la base. Ils veulent quoi? Ah, faut fouiller un bâtiment abandonné là. D'accord. Ah, je vais peut-être faire celle-là. Ah bah oui. Ah, c'est pour ça que le superviseur est bloqué. Il faut faire celle-ci d'abord. Ok, c'est pour ça qu'il ne donne plus rien à faire. Voilà, c'est ça que je cherche. On va où? Structure abandonnée. Ouais, parce que je me souviens, il va vouloir que je fasse le truc là que je viens d'avoir la recette. Il va vouloir que je fasse. Elle est où la recette? Je viens de la voir. Là, le circuit imprimé. Donc j'ai ça, mais j'ai pas l'autre recette. Si, non, la polyfibre, je l'ai pas. Ah si. Normalement, j'ai tout dans mon coffre pour le fabriquer. Oups. Ah, oh, punaise, c'est encore une position approximative. Ok. Et je cherche quoi? Ben, je cherche un bâtiment en tout cas. Quelque chose me dit qu'en fait, il n'a pas apparu. Le bâtiment, il n'y est pas là. C'est quand je vais descendre que ça va le générer. Je le verrai si un bâtiment à 400 mètres là. Ouais, c'est saoulant. Et qu'est-ce qu'il a pointé toujours vers le ciel, le vaisseau? Il est con quoi lui. Ouais, aucun bâtiment dans tout le. Sur tout le tour là. Ah si. Là. Il y a les œufs, d'accord, donc c'est bien ça. Il n'y a pas de quoi atterrir. Est-ce qu'il va mettre une claque l'autre? Non, il est pas là. Là.
Il y a de l'estime à prendre. Ah, mais si c'était de l'estime Gex, c'est bon, ça m'arrangerait, ça. Ah, c'est de l'estime Corvax, c'est ballot. Ah, quoi qu'ils s'en foutent, l'estime. Il veut que je fasse des missions, donc je pense que... Et voilà, j'ai pris une claque. Super. Ah, il y en a été trouvé dans la caisse jaune. Ouais, ça me rappelle... The Last of Us 2. Ouvrir des centaines de tiroirs avec rien dedans, j'adore. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fini le jeu. Parce que j'ai une tendinite à force de... d'ouvrir des tiroirs vides. Oui, je sais, mais je peux pas prendre le mot, là. Non. Ok, bah tant pis, on prendra pas. Ok, le vaisseau, il est où? Il est derrière. Ouais, bah très bien. Hop, comme ça, j'utilise ça. Là-bas. Tous les conteneurs. Gag. Je devrais laisser tranquille. T'es sérieux? Agrandissement. Bah, retourner voir le superviseur. Il hein. Faut que j'attende que la mission soit effective. C'est bon? Ça y est. Il y a l'icône au-dessus de sa tête, c'est bon. Donc là, je suis sûr qu'il va me dire qu'il faut fabriquer le truc. Microprose pour un terminal d'armement. Ok. Construire un microprocesseur pour le superviseur. Ah bon? Bah d'accord. J'en ai jeté un il y a quelques minutes. De quoi? J'étais trop rapide, c'est ça? La mission n'était pas sélectionnée? Ah, c'est deux qu'il faut, oh, les boulets. Il me dit construire un, je construis un, moi. Terminal d'armement. J'ai bien fait de garder le pulnéum. Pour enregistrer dans le catalogue, oui, d'accord. Le pulnéum est dans le coffre. Terminal d'armement. Super. Je range le pulnéum. C'est bon, t'as eu le temps de valider la mission? Super. Et là, il va dire, bah maintenant, faut recruter un gars.
Ah, faut lui en donner. Oh, punaise. Et si j'en avais pas, il aurait fallu que j'aille combattre des sentinelles pour en avoir. Ok. Il m'a donné de la daube. Recruter un armurier. Ok. Bon bah on se lève, on y va. Donc là il faut que j'aille sur un système précis. On va faire un petit scan mais je pense qu'il est pas là. J'ai pas regardé c'était quoi le logo de la mission. Eh oui, j'ai pas regardé c'était quoi, punaise. C'est celui de l'agrandissement de la base, d'accord. Avec toutes les missions qui sont actives là. Lâche-moi la grappe, lâche-moi la grappe. Où est-ce qu'il est ? Je vois pas. Là? Non? Mais non, c'est pas ça le logo. Salut Los Minos for you. Où est cette saleté de logo? Il y a plusieurs fois le même, c'est ça, je piche pas. Et j'ai pas le logo que je cherche. D'accord. Bah, si c'est une colle, je vais avoir du mal à répondre, mais oui, vas-y, bien sûr. J'arrive pas à trouver ce. Je suis censé aller où? Attends. Le stockage du Minotaur. Attends. Le Minotaur, c'est quoi le Minotaur? C'est l'armure. C'est ça? On peut pas? Comme les exonefs, on peut pas les exonefs non plus. Tous les exonefs, on peut pas. Donc le sous-marin, le Minotaur, tous les exonefs, on peut pas améliorer leur armure. Ça sera certainement leur inventaire, ça sera certainement prévu un de ces quatre, parce que pourquoi ils ont fait avec des trous, j'en sais rien. Bon, je trouve pas mon logo de mission et donc ça me fait chier. Alors, je vais retourner voir l'intitulé de ma mission. Qu'est-ce qu'il me dit? Vous pouvez trouver du personnel. Ah, sur les stations spatiales, d'accord. Bah ouais, bah c'est comme. Ah oui, bah il y avait des trous, bah il y a toujours des trous quoi qu'il arrive dans. Quand tu prends un multi-outil, regarde dans mon vaisseau, il y a des trous. Hein. Donc dans tout, il y a des trous. Sauf que, mais faut pas oublier que on peut agrandir le vaisseau déjà depuis pas si longtemps que ça. Hein. Et c'est encore pire pour le cargo. Le cargo, il y a des trous aussi, et puis ça fait très très peu de temps qu'on peut en gros boucher les trous. Donc pour l'instant, les exonefs, il n'y a pas eu de mise à jour exonef depuis, il n'y en a jamais eu en fait, je crois. Si, celle du Minotaur, on va dire. Celle du Minotaur, celle du Humboldt, mais ils ont lancé le truc, c'était pas une mise à jour faite dessus. Ils l'ont lancé, c'était une nouvelle quête. Donc du coup, faut attendre. Et c'est pas vieux le Minotaur, ça a quelques mois, hein. Ou peut-être un an ou deux ans, je sais pas, mais. Non, mais à ma connaissance, on peut pas agrandir l'inventaire. Du coup,
ça veut dire que je peux aller dans n'importe quelle station. Bah, je vais en profiter pour en faire une nouvelle, tant qu'à faire. Parce qu'il m'a forcé de recruter les deux premiers dans des systèmes définis, mais apparemment, pour l'armurier, je peux aller n'importe où. Du coup, vu que j'ai plus de moteurs, je vais peut-être pouvoir aller plus loin. Salut Major Likis, comment tu vas? Bah moi, ouais, ça va. Ça avance bien, ça a même avancé. Bah, j'ai fait une grosse session de plus de 5 heures aujourd'hui, donc ça a bien avancé. Mais par contre, j'ai eu le droit à tous les pires bugs du jeu. Hein. Donc du coup... J'étais un peu énervé en sortant du... Enfin, énervé, c'était pas le terme, mais... J'étais un peu déçu, et puis pour l'instant, visiblement, j'ai réussi à retrouver J'ai réussi à passer le bug, donc bon... Parce que quand hier, j'ai eu le vecteur doré, et c'est pas la première fois parce que sur ma partie précédente ça m'a fait la même chose. Quand j'ai construit une technologie sur le vecteur doré, elle a immédiatement disparu. Donc il a fallu que je quitte le jeu et que je relance complètement le jeu pour que du coup la technologie elle disparaisse pas, elle tienne. J'ai eu la même chose. Donc le vecteur doré, faut pas oublier que c'est un vaisseau qu'on a gagné. D'accord ? Le multi-outil est un multi-outil qu'on a gagné aussi. Et comme par hasard, la première technologie que j'installe, paf, elle a sauté. Dans la seconde, en fait, je l'installe et elle n'apparaît pas. En l'occurrence, c'était ça. Et donc, c'est pareil, j'ai relancé le jeu, puis finalement, j'ai pu avoir. Et on peut reconnaître qu'on va avoir ce bug quand on ne peut pas déplacer une technologie. Par exemple, je ne pouvais pas la déplacer. Il n'y avait pas marqué en bas, avec carré, déplacer la technologie. Ça ne figurait pas. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai encore le bug. Et j'ai eu la même chose avec le multi-outil. Je ne pouvais pas déplacer le... je ne sais plus laquelle c'était. Et qu'en fait, en relançant le jeu, c'était bon. Et bien, figure-toi que j'ai eu le cargo aujourd'hui. J'ai chopé un cargo par hasard, en fait. J'ai défendu un cargo, c'était un cargo A. J'installe les salles. Immédiatement après, elles disparaissent. Ah, j'étais dégoûté. Hein. Donc à chaque fois, on perd les compos et tout, quoi. Donc ouais, j'étais super dégoûté, quoi. Alors que là, c'est pas un cargo, il est là depuis des années, donc... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça m'a... En fin de stream, j'étais dégoûté. Du coup, j'avais même plus envie de jouer. Et puis finalement, voilà. Avant de lancer le stream, hein, j'ai regardé si ça s'était débugué. J'ai trouvé un moyen de le débugger, visiblement. Donc, Du coup, j'ai lancé le stream. Mais c'est chiant. C'est chiant, ces bugs. Et on a ça que sur PlayStation. Laisse-moi voir un truc, lui. S'il y a un mec que je vais jamais voir, c'est bien lui. Non, il a des lasers. Mais non, mais il n'y a pas d'emplacement, hein, pas à ma connaissance. Mais je pense que par la suite, je sais pas si tu es toujours là, Los Marinos. Par la suite, tu vois le truc ici pour le multi-outil, je pense qu'il y aura le même par la suite ici pour les exonefs et peut-être même pour le vaisseau. Je pense. Hein. Qu'est-ce que tu proposes ? Infracouteau et pulso-réacteur. Alors, voyons voir. Infracouteau, j'en suis où? Non, j'en ai trois déjà. Ouais, donc non, je peux pas en mettre plus. Et le pulso-réacteur, c'est ça. Non, je suis plein aussi. 2, 3. Ouais, j'ai les trois. Et celui-là, c'est un crafté. Donc non, je peux rien lui acheter. Allez, dis-moi que t'as un scanner, toi, s'il te plaît. J'ai besoin d'un scanner.
Ouais, bah oui, c'est bien. Il faut jouer, il faut jouer. Ouais, je sais. Je sais que sur PC, il n'y a jamais de bug, hein, j'en suis conscient. Allez, ça, je prends depuis le temps que je dis qu'il faut que j'aie le cuivre sur moi. Ouais, je le sais bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a que sur PlayStation. J'ai demandé à des joueurs Xbox, ils n'ont jamais ce genre de bug non plus. Dioxyde, je vais en prendre. Je sais plus combien j'ai, mais c'est pas perdu de toute façon. Le cobalt aussi. La poussière de ferrite, c'est pas perdu. Allons-y, c'est la fête à neuneux. Alors, orange. Le tritium, qu'est-ce que j'ai sur mon vaisseau? Oh, j'en ai largement assez. Je suis même plein. Donc... Ah ben non, je peux pas le transférer sur le cargo. Gag. Ah merde. Ah, du coup, je regrette de l'avoir pris. Ah, j'avais la place de le mettre. Ah, super. Bon, bah ça va. Ferrite pure. Ici. Alors, le cuivre. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Les coordonnées. Ça m'emmerde. Ça me prend une place pour pas grand chose. Ben, ça sera au prochain, c'est pas grave. Je le laisse là, le cuivre. Ça, par contre, ça me gonfle. Poussière de ferrite, on la range. Ici, le cobalt, on le range. Et la dioxyde, ça sera rangé dans le coffre. Ok. Ah, j'ai ça à fourguer. Avant de partir. Un peu de nanite à récup. Ouais, j'ai quand même bien avancé, hein. J'ai commencé le jeu il y a 3 jours alors. Non, peut-être un peu plus. Non, c'est ça, il y a 3 jours. Donc ouais, non, je vais pas me plaindre. Hein. Mais c'est ça, le fait que je connaisse aussi le jeu, ça m'aide à savoir quoi faire en premier, à tout ça, quoi. Ça joue. Faut que je recrute un armurier. Il me dit même pas. Appuyer. Il me dit même pas c'est quelle race qu'il faut que je recrute là. Attends, faut que je me souvienne, l'armurier. Oh bah, à mon avis, c'est sûr, c'est un viking. Les armes et tout, ça va être un viking. Qu'est-ce qu'il a? Il faut que je fasse. Ah bah voilà. Il me fallait que je fasse une mission geek, et bah celle-là me convient. Alors celle-là je la prends pour la stacker. Qu'est-ce que tu donnes? Celle-là je la prends pour la stacker. En plus super, la récompense c'est du carburant. Et du coup, scanner les minéraux, je vais le faire. Il va falloir que je change le système, mais tant pis. Et maintenant que le Père Noël est libéré, je veux bien mon cadeau. Qu'est-ce que tu donnes? Ah, ça m'arrange pas. Ah non, j'ai pas de quoi stocker la bouffe, dégage. Ok. Donc, je vais... Voilà, je veux faire cette mission en priorité. Faut que je regarde dans la station s'il y a un voyageur pour les glyphes. Il faut que j'y pense systématiquement. Non, j'en ai déjà récupéré 3 aujourd'hui. 3 ou 4, j'ai un doute. 3. Ok, bah il n'y en a pas. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Est-ce que j'ai des choses en... L'oxygène, je pourrais prendre. Eh, la poussière de ferrite, j'en ai presque plus. Donc là, moi, je ferme pas. Hein. J'achète tout maintenant. Allez, je te prends. Ton oxygène. Ta poussière de ferrite. Le cobalt, je sais que j'ai assez. Je vais te prendre ton nitrate de sodium. Et c'est tout. Si je peux en prendre encore un autre PNJ. Ok.
oxygène, poussière de ferrite. Qu'est-ce que t'as d'autre? Pugnéum, 117 000, vas-y. J'en ai pas beaucoup. Phosphore dioxygé, ammoniaque aussi. Le reste est bon. Voilà, comme ça le pugnéum, si on m'en demande pour l'émission, je suis bon. Le client a demandé consulter la carte galactique. Ok, c'est quoi le logo de la mission? D'accord, c'est un truc. D'accord. Bon, je crois que j'ai pas acheté un emplacement, il me semble. Planète de lave. Beurre. Mais qu'est-ce que c'est que. Ouais, c'est le système d'à côté. Comment ça se fait que les systèmes. J'ai jamais eu ça dans tout le jeu. Comment ça se fait que c'est si proche là? D'habitude, c'est un peu plus distinctif. Les systèmes, ils sont pas collés comme ça. Hein. Ça me le fait que sur cette partie, ça me l'a jamais fait avant. Hein. Il y a un peu plus d'espace, quoi. Et du coup, à chaque fois, on croit que c'est les. Qu'on est dans le bon système alors que non. Qu'est-ce qu'on a comme planète là? 4 planètes, niveau de conflit risqué. Planète torride, site de sondage de minéraux. Bon, bah voilà, c'est ici qu'il faut aller. Visiblement, je pense qu'il y a assez de l'eau, je sais pas si c'est de l'eau. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'eau là. C'est de la flotte ça? Ouais, c'est de l'eau, bien sûr, c'est de l'eau. Oh là. Si je peux atterrir pour un bâtiment. D'ailleurs, je peux en profiter pour faire. Oh, mais qu'est-ce qu'ils peuvent me faire chier avec les antennes sur le jeu? À croire qu'il n'y a que ça, les antennes, les abris. Je fais autre chose un peu là. Solanium, j'en ai assez. Là, il y a quoi? Je crois que c'est un abri aussi. Ouais, ben, il est pile en dessous. Alors, bon, je dégage, ça me prend la tête. Tu veux pas payer ton. Je vais en profiter pour faire les deux inventaires de. J'ai encore des données sur moi. T'es sérieux là, tu veux pas me donner un bâtiment pour atterrir proprement? Oh, puis le scan qui met 3 plombs à recharger, c'est encore un abri. Là, non? Ah non, je croyais que c'était un bâtiment ça. Bon, vas-y, ça te saoule, atterris. C'est pas comme si j'avais pas les moyens de me payer de l'essence. Alors, faut scanner de la caillasse. Allons-y, combien? Attends, est-ce qu'elle est valide la mission d'abord? J'ai pas vu les sentinelles comment elles étaient. Combien il en faut? 7? Voilà, l'enfoiré. Allons-y, hein. Je fais les animaux. Ok, ça c'est un arbre. J'en profite pour faire les animaux, tant qu'à faire. Ça fait des sous, hein, 232 000. Oh, 14 animaux! Ah, je suis en tempête, d'accord. On va prendre les nanites. Tiens, il y a des cailloux partout, c'en est ça? Ah non, c'est une plante. Ça c'est un caillou. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suppose que c'est la fin de la tempête, non? Caillou aussi, non? Ah, je l'ai celui-là. Les petits, généralement, c'est pas les mêmes, voilà. Peut-être même les encore plus petits, voilà. Celui qui est devant moi, ça doit être un autre encore, voilà. Je sais pas combien j'en suis. Allez, dis-moi. Oh là là, dis-moi le jeu, bordel. Mais dis pas qu'il a désélectionné la mission, là.
6 sur 7, ok. Donc il m'en manque un seul. Il y a un animal là. 33 mètres. Pourquoi je le chope pas à 33 mètres? Oh purée, il est tout petit. Ah, je l'ai pas eu. Oui, c'est un caillou que j'ai eu, donc ça va. Ah non, j'ai... Si, si, c'est un caillou que j'ai eu. Comment ça, trois créatures seulement? J'en ai pas scanné plus que ça? Ouais, c'est possible. Faut pas oublier que scanner les créatures, les cailloux, la faune, à un moment vous allez récolter des... C'est pas de la perte, hein. C'est pas de la perte de temps, parce qu'à un moment dans le Nexus vous allez récolter des nanites. Helios il va vous filer des nanites pour tout ça, donc c'est pas perdu quoi. Ah il est là, hein, punaise. Ah il est mort, il l'a bouffé. Il est mort? Il est en train de le manger. D'accord. Bah, bonne app. Hein. Et ça te dérange pas de passer devant quand je suis en train de scanner? C'est un cadavre aussi, l'autre il a bouffé. J'en suis 7 sur 14 sur les animaux. Bon, ça m'étonnerait que je les fasse tous de toute façon. Et dans le ciel, il n'y a rien? Non. Ok. Du coup, allez, je fais ce que j'ai à faire. Le scanner des signaux, il est là. Ah, faut que je mette du... Là, on marque, j'ai quelques missions d'animaux, je pourrais tirer dans le tas. Je sais pas combien j'en ai à faire. Oh, j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir que deux, je crois. Mon vaisseau. Là. Oui, je fais mon inventaire. Voilà, dès que je me pose sur une planète, il faut juste que j'y pense en fait. Il faut avoir des données sur soi. Une heure, mais t'es fou, toi. Et je suis pas passé à la station. Ben justement, j'irai dans cette station-là. Et donc, faut avoir des données, des capsules de sauvetage. Ça coûte un peu, mais c'est très très vite amorti. De toute façon, maintenant, si je vais dans les stations, ça me coûte plus cher. Je suis arrivé, le dernier que j'ai acheté, c'était 130 000. 130 000 sur l'onglet normal. Je suis à 120 000 sur l'onglet... technologie, et je suis à plus de 800 000 sur l'onglet sur l'onglet cargaison. Donc là, paf, 2, ça se range. Hop, et ça reste. Ok. Salut la cabine. Ah, comme ça du coup. Oui, il me faut une cargaison pour mettre le cuivre. Super. Non, je n'ai pas la sauvegarde manuelle cette fois. Tant que je ne suis pas retourné dans mon cargo. Hop, comme ça le cuivre, il va à sa place. Super. Allez, on s'en fait une. Est-ce qu'il y a des trucs à scanner pendant que j'y suis? De la bestiole.
Non? Et dans le ciel, il n'y a rien non plus? D'accord, ben écoute, pas de problème. Le vaisseau, il est là. Et on va chercher la deuxième. Il y en a de la bestiole là-bas. Ah, ben, elle est scannée. Oh, il y en a partout là. C'est tentant de tirer dans le tas, mais non, vas-y, je vais attendre qu'il y en a plus. Qu'un animal à scanner. Allez, on dégage. Où est-ce qu'il est? Oh, ouais, il est à côté, super. Et donc là, si je voulais en faire une troisième, c'est sûr que ça m'en ramènerait au premier. C'est pour ça que j'en fais que deux par planète. Il y en a plus que deux sur la planète, puisque sur la planète où j'ai ma base, j'en ai trouvé cinq. Alors, j'ai pas spécialement besoin de la cargaison tout de suite. Je regarde la protection environnementale. Non, vas-y, prends cargaison. Oui. Ok. Toujours rien à scanner. Ah ben, je suppose que je vais avoir eu pas mal d'animaux. Je suppose que ça va être des poissons qui me manquent, surtout. Terrestre rare, un volant. Et tout le reste, c'est sous-marin. Non, 4 sous-marins et un souterrain. Ok. Ouais, ben non. Je vais pas le faire. Super, ben on dégage. Du coup, je passe à la station pour rendre cette mission. En plus, c'est la mission GEC. Donc, ça veut dire que... Alors, attends. Ça veut dire que je peux sélectionner la mission. Celle-là. Ouais, elle paraît jolie comme ça, la planète à côté là. C'est marrant, j'ai pas encore été trop attaqué sur cette partie. Est-ce que parce que j'ai pas assez de trucs de valeur sur moi? Je pense pas là, combien ça vaut. Non, bah oui, en effet, j'ai pas grand chose qui vaut des sous là. C'est peut-être à partir d'une certaine somme, peut-être un genre un demi-million ou un truc comme ça. Allez, est-ce que je m'achète encore un truc ou pas? Combien c'est? 140, et ici c'était... Non, c'était 200 000 je crois ici, ouais c'est ça. 200 000 et là on est passé à 1 million. Bon, 140 000, ok. Sachant que quand j'achète mes données, ça me coûte 100 000. Donc bon, ça fait 40 000 de plus, c'est pas bien méchant. Alors, canon neutron, lanceur de plasma, canon géologique. Tu me trolles le jeu, sale troll. Qu'est-ce que t'as toi? De toute façon, je sais plus ce qu'il me faut pour le vaisseau. Et de toute façon, il a rien. Donc, pour ici... Bah non, pour ici, je veux rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Ah, bah en fait, celle-là, je peux la bouger. Super. Comme ça, du coup, hop. Super. Et du coup, ces trucs-là, ils ne me les demandent plus. Ah bah non, je vais rendre tout de suite les geeks, là. Je vais la rendre, la mission. Ok, on va aller voir là-bas. Donc la boutique, c'est pas la peine d'y passer, j'ai besoin de rien. Je vais juste voir s'il y a des nanites et il y en a pas. D'accord. Donc le mec de mission, je rends la mission GEC là, le scannage. Hey, regardez ce qui vient d'arriver. C'est exotique. Exotique S19 à 10 millions. Alors bon, le canari que je vous parle, c'est ça. C'est juste la boule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'antenne au-dessus, il n'y a pas le double nez, il n'y a pas les réacteurs sur le côté. Si, il y a ça par contre.
Ah, je suis content, je l'ai déjà vu en exotique. Bon, il plaît pas. Hein. 10 millions. Il est cher, je croyais que ça coûtait moins cher les exotiques. Je me demande si ça vaut pas le coup de l'acheter et de le péter. Non, c'est pas ça que je voulais voir en plus. Parce que si je le pète, je vais récupérer quasiment mon argent. Et en plus, je vais avoir des modules S. Ouais, je vais le faire. Donc regardez bien ce que je vais faire. Normalement, ça devrait être bon. Donc là, je l'ai acheté, d'accord? Sachant que mon vaisseau à moi est toujours là-bas. Mais pour l'instant, du coup, c'est celui-là. Je vais en profiter pour y démonter ce que je peux. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Et c'est tout. Donc, je récupère les compos. Ok. Technologie, là, rien. Voilà. Donc là, je l'ai acheté 10 millions, d'accord? Maintenant, je vais le casser. Et là, je vais récupérer un peu moins que la somme que j'ai payée. Je vais peut-être récupérer dans les 8 millions, je pense. Mais je vais récupérer aussi des modules S. Vous voyez, je vais acheter 10 millions. Normalement, je récupère 7 millions 2. En fait, il dit 7 millions 2, mais il y a plus, en fait. Ok, et là je récupère plein de choses. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il m'a remis ce vaisseau là. Non, ben c'est bon. Je vais juste. Ah, il m'a remis mon vaisseau, le vaisseau de base. Ah non, je vais juste m'en mettre celui-là pour le récupérer. Voilà. Donc, on va les vendre maintenant. Quoique. Non, mais je vais aller par là. De toute façon, il y a une boutique là. Ah ben non, j'ai les modules. C'est pas dit qu'ils me plaisent tous. J'ai une hyperpropulsion, pulso-réacteur. Donc, j'ai récupéré ça qui vaut 3 millions. Ça qui vaut 2 millions 4, ce qui fait 5 millions 4. 5 millions 6. 5 millions 7. 5 millions 750. Allez, ils sont beaux. Allez, j'ai récupéré. Non, j'ai récupéré un peu moins d'argent, mais du coup je récupère deux augmentations de stockage. Donc je suis super gagnant quoi. J'ai dû perdre dans les 3 millions autour du truc, mais pour moi j'y gagne. J'ai rien à voir. Des modules, donc je récupère des nanites. L'hyperpropulsion du coup. Est-ce que je l'installe? En théorie je peux, donc on va l'installer. Par contre, pas le pulso-réacteur, je crois. Comment ça, vaisseau hors de portée? Tu te fous de ma gueule? Il est là, mon vaisseau. Mais il est pas bien, le jeu. Je l'ai installé, le module, pourtant. Mais en plus, le récepteur, il est installé. Donc, qu'est-ce qu'il me fait, là? C'est encore une saloperie de bug. Hein. Donc, 240 années-lumière par rapport à l'autre, 234. Ok. Donc voilà, là il faut l'Emeril, c'est vrai. Du coup, l'autre c'était pour le pulso-réacteur, je crois, donc ça j'en ai pas besoin. Voilà, celui-là je le revends en nanite et je vais en profiter du coup pour agrandir mon vaisseau de deux emplacements. Alors ce que j'ai fait, ça marche, ça vaut le coup avec les vaisseaux S, hein, ça vaut pas le coup avec les autres vaisseaux. Oui, agrandir, non, je vais agrandir donc mon inventaire. Ok, super. Je vais revendre les pièces, je vais revendre le module. 479 nanites, hein, c'est bon à prendre. Et je vais revendre toutes mes pièces. Alors oui, j'ai dû perdre 3 millions sur le truc, mais c'est pas grand-chose, quoi. Vendre.
panneau thermique, ça, 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 et les toyaux à poignée, et c'est tout. Oui, c'est tout. Ok. Et il y a quoi sur cette boutique? Du chlore, du sel. Je vais en reprendre. Je vais reprendre le chlore et le sel que je remettrai dans mon truc. L'uranium, je sais pas où j'en suis. Dioxyde, c'est bon. L'uranium, j'en suis où? Ouais, bah, je peux le prendre, 7200. Ok. Donc, ouais, ça vaut le coup quand même. Parce que du coup, sur l'histoire, j'ai quand même agrandi deux fois mon inventaire. Du coup, je vais pouvoir un peu mieux ranger. Ok. Ouais, j'ai pas beaucoup plus à faire. Ah non, mais c'est bien. Ok. Donc, je vais en face. J'ai la mission à rendre. Je me souviens plus s'il y avait des nanites. Non, je crois pas. Faut que je regarde s'il y a un voyageur. Non. Mais je me demande s'il y en a. Il doit jamais y en avoir chez les geeks, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à acheter? Oui, ça. Ah non, 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 pas ça. Pas cette fois. Vas-y, prends le métal chromatique. Ok. Alors, je range d'abord mon inventaire, ça, ça, tout ça. Ah, j'ai eu du cuivre. Ah, j'ai eu... Ah, ben voilà. Eh ben voilà. Alors, finalement, en démontant le vaisseau, j'ai eu aussi ça. Du cuivre activé. Presque 6000. Et du coup, il y en a pour 1,4 million. Donc, ouais, j'ai perdu 3 millions. Donc, ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup. J'ai perdu 3 millions, gagné 2 emplacements, gagné des nanites. Donc oui, oui, pour moi ça vaut le coup. Non, normalement, j'ai une mission à rendre, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Gâteau au miel salé, très bien, qu'on donnera à Chronos, sauf si ça vaut cher. Je regarde juste, là il n'y a rien qui ne m'intéresse. Le Père Noël, il va me donner un petit cadeau. Qu'est-ce qu'il me donne? Des sous? C'est pas beaucoup, là. Le gâteau, combien ça se vend? 92 000? Non, je vais le donner à Chronos pour me filer des nanites. Du coup, revenez voir le cartographe Geek. Ah bah oui, il est là. Super. Donc je suppose qu'il va me donner un objet. Savoir plus, vas-y. Alors, c'est tout blabla. Là, c'est tout l'or. J'ai pas mis smart en tout cas. Je sais pas ce qu'il dit, mais smart. C'est tout. Ok. Il m'a pas donné d'objet? Et les deux autres races m'ont donné un objet à chaque fois. Il m'a changé la mission. Ah, elle s'appelle 16-16 maintenant. Ok. On révèle leurs secrets, leur passé. Et là, il faut trouver un boulot terminus maintenant. Ok. Donc, je vais garder cette mission-là. J'aurais juste voulu savoir c'était quoi comme
risqué, geeky, ressource moyenne. Je crois pas que ça soit un 3 étoiles. Hein. Ok, on sauvegarde et on bouge. Donc il faut retourner dans l'espace pour localiser en Holoterminus. Terminus. Comme par hasard, depuis que j'ai mon cargo, il n'y en a plus qui pop avec leur frégate. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme par hasard. Hein. J'ai appuyé sur le 3 déjà. Ah non. Maintenant que je veux acheter des frégates, il n'y a plus personne. Ah oui, j'avais remarqué sur ma partie précédente. C'est pareil. Et vous avez, une fois que j'ai plus besoin d'acheter les frégates, ça va repopper de partout. Bon, de toute façon, je suis pas pressé, j'ai pas les moyens d'acheter les 30 frégates. Donc, alors, cherchez-le au terminus, je pense qu'il est là, non? C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Je le vois du dessus, du coup j'ai... Alors j'essaie de lire les spécificités de la planète. Alors, sentinelle inexistante. D'accord. Alors, les nanites. Allez. Ok, super. On va voir s'il y a peut-être un petit mot. Il n'y a que dalle. La machine, le module. Ok. Ok. C'est quoi ça? Vas-y, scanne-les, ça fera toujours un peu de sous. Oh. Forte tempête en approche. Eh oui, en plus, ah oui, j'aurais. La tempête, quand je vais être au-dessus du bâtiment, c'est pas top. Oh! J'ai foiré mon coup là. J'ai doublement foiré, d'accord. Bon, bah, c'est pas grave, on va prendre l'échelle. Blablabla, je me connecte à vide. Ah, ça raconte vraiment le lore. Hein. Blablabla. Tu me saoules vide. Ok. Non, faut que je parle à Apollon. Ok. Non, je vais toujours pas faire de sauvegarde manuelle. Non. Non, de toute façon, je peux pas jouer en multi parce que j'ai pas renouvelé mon abonnement au PS Plus. Donc, je n'ai pas accès au multijoueur de No Man's Sky. À aucun multijoueur, d'ailleurs. Parlez à Apollon. Il est où, Apollon? Bah, me dis pas qu'il fallait retourner sur l'auto-terminus. J'ai l'impression que si. Ah si. Ah punaise.
d'habitude, il change de perso direct. Ok. Je crois qu'il fallait retourner dans l'espace, moi, mais bon. Non, mais de toute façon, le multijoueur m'intéresse nullement dans aucun jeu, en fait. Ben alors, il faut que je l'appelle sur ici. Eh oui. Bon, qu'est-ce qui me fait le jeu là? Il est pas là, Apollon. Oh là là, catastrophique. Quoi, encore un autre bug? T'es sérieux? Ah, attends. Je désélectionne la mission. Je vais la sélectionner. Ah, maintenant il me dit parler à vide. Mais il est pas là, mon gars. C'est pas possible. Le mec, il est pas là, il est transparent. Ouais, j'en ai marre. Je n'ai en 2000 heures de jeu, j'ai jamais eu autant de bugs que sur cette partie-là. J'en ai eu sur un peu sur celle précédente avec le vecteur doré, mais c'est tout ce que j'ai eu. En même temps, cette mission, je l'ai pas faite non plus sur la partie précédente. Bah, parler à Apollon, il est pas là, Apollon, je vais pas l'inventer. Ouais. Ça me saoule, ça me super saoule. Franchement, mais ça casse les couilles. Bah, je peux pas lui parler, il est pas là. Normalement, ok. Bon. Eh ben, grand mot et grand remède. Moi qui voulais pas faire une sauvegarde manuelle, j'ai pas le choix. Ah, quoique, si. Je vais faire une sauvegarde automatique. Ok. Bon, ben, quand c'est bugué comme ça, il n'y a pas le choix. Je vais attendre quelques secondes, je vais relancer. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Sinon c'est simple, hein. La mission je la laisse complètement tomber et puis on n'en parle plus. De toute façon, elle va rien m'apporter, contrairement à la mission de la base qui va encore m'apporter des trucs, mais celle-ci elle va m'apporter que du lore, je crois. Donc au pire, tant pis si elle est buggée. Mais c'est fatigant. Hein. Alors, est-ce qu'il vient de se montrer, monsieur Apollon? Ah oui, il est là. Vous avez vu? Ah, il suffit de quitter le jeu et de revenir. Des fois, il faut vraiment quitter le jeu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir du jeu complet. Et que sur PlayStation, on a ce genre d'emmerde. Hein. Ok, bon bah voilà, ça a débloqué la... Donner du signal. Faut que j'en trouve un autre, le terminus, c'est ça?
Et du coup, je refais une sauvegarde automatique. Il est où ? J'ai perdu le logo, il m'a changé la mission. Non mais c'est pas vrai. Il me l'a changé. Regardez, anomalie spatiale. C'est pas possible. Voilà. Ah, quand j'ai vu le logo disparaître, je fais c'est bon, il a encore fait des siennes. Je sais pas pourquoi je continue, je devrais arrêter ça. Cette mission de merde. En plus, celle-là, elle va loin. Alors, je cherche quoi ? Une balise de détresse ? Trouver la source du signal. Ah ! Donc, c'est peut-être pas dit que je cherche un holoterminus. Bon bah ok, ça sert à rien de tourner autour du pot, vas-y, on se pose. Mille mètres J'ai de l'essence, il y a assez pour décoller. Ah, t'abuses, 1000 mètres. Oh, tu me saoules. Par là. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme nitrate de sodium sur la planète là ? Encore 500 mètres. T'as été scanné toi ? Oui, mais pas celui qui est là-bas. Allez, pousse-toi avec les grandes oreilles. Pourquoi le scan il veut pas? Ah bon? Oh, je me dis que ça fait un peu de pognon. Non, j'irai pas. Il faut aller par là? 400 mètres encore. Oh, j'aurais dû y aller en vaisseau, mais bon. Vu qu'il change de direction, au mieux y aller à pied puis appeler le vaisseau dans ce cas-là. Celui-là il me dit d'aller tout droit puis. Après il est posé. Qu'est-ce qu'il veut ? Mais non, normalement tu donnes ton mot et tu fermes ta gueule. Allez. Oh là là. Tout ça pour apprendre geek en geek. Franchement. Pas sérieux le jeu. Voilà, maintenant il faut aller par là. C'est sympa les couleurs, les arbres et tout. Je suppose que c'est là. Mais oui, c'est là. J'adore me prendre une claque au passage, là, sérieux. Ah, les plantes, hein. Elles sont bien cachées, les plantes. Donc, on va prendre les données récupérées, les nanites. Oh, l'herbe orange, c'est sympa. Et la mission. Bla 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 bla
blablabla, blabla. Ah bon? D'accord. Ça fait de glace. Ok. Bah. D'accord. Ah d'accord. Il est en train de le bouffer, j'avais pas vu. Un peu de scan. Oh bah non, j'ai pas, tant pis. C'est à combien? 12 heures. Tu m'as vu, toi. Il est où le vaisseau? Ça va, là, les copains, là? On se balade? Il doit y avoir un comptoir commercial par là-bas. Alors, c'est bien parce que c'est encore sur la planète. J'en ai marre de cette mission. Mais bon, dès qu'il me dira de changer de système, j'irai pas. Je l'arrêterai pas. Elle me saoule en fait. Parce que là, en fait, d'une, ça m'amuse pas parce que le lore, je me suis déjà tapé et. Il est pas. Oh non, pas non. Alors, ah, vas-y, fous-moi dans l'eau et alors là, c'est fini la mission, plus jamais. Oh bah, il y a des chances, hein. Il y a des chances que ce soit dans l'eau. À moins qu'il y ait un bâtiment ou un truc ici. Il y a un bâtiment là, mais non, non, il est trop loin, ça peut pas être ça. Vas-y, vas-y, arrête-toi. Ah, j'attends que ça. Non. J'attends que ça qui me dit qu'il faut aller dans l'eau. Comme ça, là, définitivement, je la stoppe, la mission. Faut aller où? 200 mètres. D'accord. Un portail. Il va falloir, heureusement, s'il y a besoin de rentrer des trucs, j'ai tout. J'appelle le vaisseau et je sauvegarde avant. On sait jamais. Ok. Mais dis pas qu'il faut les remplir. Oh là là, ils sont chiants. Ok. Vas-y, cuivre activé. Mais il nous l'avait déjà expliqué une fois, hein. C'est peut-être pas la peine. Non, pas d'hydrogène, de cobalt. J'ai pas acheté l'autre cobalt, d'accord. Un cobalt ionisé, je croyais que j'en avais. De toute façon, il sert qu'à ça le cobalt. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il me fallait du cuivre et du cobalt en permanence sur moi. Exactement pour ça. C'est bon? Il va m'emmener voir l'Atlas ou pas? La porte.
porte des étoiles. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est une plaisanterie là? Je suis pas dans mon vaisseau, je suis où? Ah d'accord. J'étais là dans la place. Oh la trouille! Je me suis dit, j'ai encore loin un bug. Donne-moi mes cellules. Merci. J'ai déjà eu exactement tout ça. Saleté. C'est exprès pour pas que j'appelle le vaisseau ici. Ça va être chaud. Ah oui, aïe. Plus dur sera la chute. Ah bah oui, ça fait mal.
désactivé, mais il est pas bien, lui. Purge. C'est la voix de mon exo-combinaison. Je lui ai demandé si elle connaît des blagues, très drôle. Alors. Mais oui, je sais. De casser et là non plus. Ok. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Regardez les autres voyageurs. Localiser en haut terminus. Ok. C'est sur une planète à animal unique. Lève là, c'est la boule. Hop, j'en profite. Ah. Je suis pas sur cette planète-là, hein, c'est certain. Ah bah si, 10. Ok, donc c'est pas une planète alien. Pourtant, d'habitude, pourtant, normalement, on devrait pouvoir récupérer un truc comme ça pour la base. Bon, bah, ok, on y va. 500 mètres. Il y a des choses qui m'échappent. Hein. Normalement, ces trucs-là sont sur les planètes aliens, et ça, c'en est pas une.
le fécium, il faut que je le garde. Eh, je peux les avoir, mes nanites ? Oh, le bâtard. Ouais, si on fait pas gaffe, là, il les file pas, quoi. Et ça arrive souvent, et depuis le début du jeu, c'est comme ça. J'ai pris le module ou pas ? Si je vois pas ce que j'ai pris, ok. C'est parti. Ok, cette fois, c'est fini. La mission s'est changée, la 16 s'est changée en la purge. Et là, il faut aller vers le centre de la galaxie maintenant. Donc là, voilà, on va dire qu'elle est finie. Enfin, il faut quand même aller vers le centre de la galaxie, mais je vais pas y aller. Ok. Qu'est-ce qu'il veut dans l'anomalie ? Ok, bon, on va aller dans l'anomalie spatiale, c'est parti. Ah, j'ai quand même pris des chutes, pourtant j'avais amorti le truc, mais bon. Faire la petite sauvegarde quand même. Il y a une planche là. J'ai un gâteau pour Chronos. Je sais pas pourquoi j'ai fait le tour. Je me le demande. Mais il n'est pas vrai ce jeu. D'accord. Combien j'ai des trucs sur moi ou pas ? J'en ai 17. Ok, c'est bon. J'ai un emplacement. Combien tu 150 000. Ok, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier. Il n'y en aura plus après. On va voir un peu le multi-outil, c'est quoi ? C'est rien. C'est de la dobas. Ok. Donc
ici, ces missions, on laisse tomber. Le chemin de l'Atlas, on verra. Et du coup, j'ai dû m'éloigner énormément parce que toutes celles-là, elles sont plus à côté. De toute façon, on s'en fout puisque je vais y repartir directement en téléporteur. C'était quoi là? J'en avais une qui était active là. Celle-là, c'était quoi? Ah oui, recruter l'armurier. Bah oui, mais. Moi, j'avais zappé celle-là. Système précédent. L'armurier, alors attends, faut que je me rappelle. Il est dans la salle du fond, je crois. Il me semble. Quelle race qu'il faut embaucher? Le superviseur? Ben non, j'en ai déjà. Non, je suis quasiment sûr qu'armurier, c'est un viking qu'il faut. C'est bizarre qu'il ne me dit pas où en recruter. Au moins, il aurait pu me donner la... la race quoi. J'aurais pu dire recruter un viking armurier. Bon. J'ai pris le mot arme. Officier. Caporal. Il a un truc, une arme dans la main, donc c'est pour ça que je pense que c'est un armurier. Bah non. Ok. D'accord. J'en ai un peu marre. Hein. Bah c'est peut-être pas un viking. Hein. Prospecteur, correspondant, spécialiste, directeur, spécialiste, on va essayer. Non, bah ok. C'est en train de me saouler en fait. C'était un geek. Le deuxième, c'est un Corvax.
Ah, je suis quasiment sûr, l'armurier, c'est un viking. En plus, ça va avec leur tempérament, donc... Il donne aucune indication. Non, sur les stations spatiales. Recruter un armurier. Ok. Est-ce que j'ai été voir les modules là-bas, du coup je sais plus. Non, je ne crois pas. Moi j'en sais plus rien. Si c'est rouge, j'ai dû regarder les modules. J'ai quand même au moins vérifié le scanner. Oui, je me souviens du fusil tout pourri. Ok. Alors on va warper dans un autre système, on verra bien. Je vais warper. Ah, attendez. Dans un système viking pour être il y aura plus de personnel viking déjà là-bas. Cela, j'étais chez les geeks. C'est chez les geeks aussi. Chez les geeks. Six planètes tumultueuses, d'accord. Et du coup là, planète nocive. Oui, je sais qu'il faut que je recrute un armurier, tu vois. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, cargo qui vient de se pointer. Un peu de frégate. Il n'y en a qu'une. Alors, je vais faire gaffe à ce que c'est. J'achète pas n'importe quoi. C'est un commerce. Il a déjà du moins en industrie. Il a du plus en un peu de tout. Notamment en... Oh, il est bien en commerce. Il a 32... Ah oui, c'est une classe B. Oh, ça m'emmerde de mettre... 4 millions 8. Non, j'achète que du C, faut pas déconner. Il n'y en avait qu'une? Il n'y a qu'une seule frégate? Ok. Non, il n'y en a pas qu'une. Il y en a une par là, là. Commerce aussi, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Classe C. Moins 4 en combat, ça je m'en fous totalement. Elle a déjà 22 en commerce, ce qui est plutôt bien puisqu'il y en a plus 15. Ok. Je paye. C'est quoi? D'accord. Je paye et du coup, bah, s'il n'y en a pas d'autres, cela dit, il y a un autre cargo là-bas, non? Il y a un autre cargo, donc il y aura peut-être d'autres frégates. Comme ça, je les envoie avant de quitter le jeu. Si mon cargo s'est pas remis à bugger encore une fois.
n'y a pas... Ah, si, frégate, là... c'est pas une soutien, celle-ci ? Non, combat ? Avec du plus 15 en combat, par contre, il n'y a rien en explo. 2 millions. Vas-y, ça me fait une combat. Celle d'en dessous. Alors, encore du commerce. Classe C. Elle a aussi un plus 15 en commerce. Ah, mais elle a un plus 15, mais du coup, elle a que 16. Donc, c'est pas terrible. Ah ouais, non, je la prends pas. Elle est vraiment, elle a que des chiffres à la con. En plus, elle est chère. Donc, non, je la prends pas. Faut pas pousser. Y'a pas d'autres ? Mais si, j'en avais vu qu'il y avait d'autres. Bon, bah écoute, ça reste toujours le grand mystère, les frégates. Hein. C'est du grand n'importe quoi. C'est chiant parce que, surtout quand il y en a plein, quand il y en a une ou deux, ça va. Mais quand t'en as six, tu sais pas lesquelles t'as faites, lesquelles t'as pas faites. Il devrait y avoir un code couleur, quoi. Elles sont vertes à l'approche, une fois que tu les as visitées, elles passent en bleu, quoi. Parce que là, du coup, on sait pas et on s'emmerde. Chronos pour lui filer son gâteau. Alors du coup, je fais quoi avec ces merdes là? En plus, ça vaut rien, la mission est finie. Je les mettrai dans l'exonef. Je suis pas sûr qu'il... Je me renseignerai s'il faut les jeter. Ok, qu'est-ce que t'as? Lui d'abord. Il faudrait du scanner. Souffle destructeur, ça peut m'intéresser, combien j'en suis. Oui, oui, souffle destructeur, je prends. Ok. Je vais voir ce qu'il a. Je me souviens plus où j'en suis. Infracouteau et pulse réacteur. Alors, pulse réacteur, c'est non. Oui, j'ai assez. Et un fracouteau, ben, j'ai envie de dire oui, mais j'ai pas la place. Donc, on fera avec. Et ici, je crois que j'avais dit que j'avais besoin de rien, je crois. J'ai les trois. Ici, je suis complet. Ici, je suis complet. Et puis, j'ai dit que j'achèterais pas les thermiques. Ok, alors on va faire ça. Ok. Non, mais non, rien pour le vaisseau. Oh, ah, c'est un solaire. B17. Ah, je croyais que c'était un exotique qui arrivait. Ok. On va checker les nanites. Ah, super. Non seulement il y a des nanites, mais il y a ça en plus. Waouh. C'est chaud là. Alors, d'abord le mec des missions. J'ai raté. Module de frégate. Ah bah ça tombe bien, tu es 10 créatures. Ça stack. Scanner les minéraux, non? Gâteau au miel, hein. Voilà, scanner, tuer les créatures, c'est bon. Ok.
je veux bien mon cadeau. De quoi? Bah. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de qui est ultra buggé aujourd'hui? Une fois que j'ai débloqué, j'ai débloqué. Il me dit que j'ai pas fait assez de missions. Mais bien sûr que si. Oh putain, le casse-burne, le jeu. Bon, est-ce qu'il y a un voyageur? Non. Ok, il n'y a pas de voyageur. Guerrier. Port-drapeau. Mais je suis pas sûr que de toute façon l'armurier, il sera marqué armurier. Guerrier. Caporal. Éclaireur. J'arrive pas à lire. Recrue. Ah, peut-être recrue. Oh, attends, c'est quoi qui atterrit là? Eh, hey, encore un! Encore un exotique! Deux dans la journée! Attends, quitte! J'ai même l'impression qu'il y en a encore un autre, non? Ou c'est un solaire qui vient d'arriver? Ah non, c'est un qui est parti. Bah, je vais l'acheter, hein, ton exotique. Hein. Je vais faire comme tout à l'heure. Hein. À combien il est? 7 millions. 7 millions 3. Allez, je l'achète. Hey, c'est presque mon canari. Sauf qu'il a son nez. Hein. Sinon, c'est prêt. Et puis, il a ça aussi. Qu'est-ce que je peux démonter? Ça, et c'est tout, je crois. Déplacer, et là, il a rien. Ok. Oh, bah, ça fait un câblage. Hein. Donc, je l'ai acheté. C'est quoi ce bruit? J'ai pas compris. On va le démonter. Voilà, je perds un petit peu d'argent, mais c'est pas un problème. Ok, qu'est-ce qu'il m'a donné? Module de blindage du vaisseau, faut que je voie. Hyperpropulsion, je garde. Sinon, je les garderai pour mon prochain vaisseau, mais ça veut dire... Non, parce que... Pulsion réacteur, c'est sûr, je la vends. Ah, du coup, il m'a remis ce vaisseau-là. Oh, putain. Tu trolles le jeu, tu trolles. Ok. Est-ce qu'il m'a donné des agrandissements d'inventaire? Oui. Ah ouais, ça vaut le coup quand même. Entre l'argent, presque. Ouais, je perds. J'ai dû perdre peut-être 2 millions. Mais je me retrouve avec un agrandissement d'inventaire. Donc, sachant qu'ici, un agrandissement d'inventaire, ça vaut 18 millions. Donc, c'est quand même rentable. Ah non, plus que ça. 22 millions. Ok. Je vais revendre les pièces. Du coup, le pulso réacteur, j'en veux pas. Par contre, j'ai 3S là. J'ai 3S. Je vais garder l'hyper. Oh non, vas-y, vends-le. Je suis pas prêt d'avoir mon autre vaisseau, donc vends-le. Et puis, peut-être. Non, il y en a un que je peux installer. Celui-là. Blindage des vaisseaux, je peux le mettre ici. Ok, ce qui me refait 30% en plus. Donc je vais vendre ces trucs là. Ouais, ça fait 900 nanites. J'avais vu ici. Oh, j'ai déjà oublié. Oui, j'avais vu, je crois.
Oui, j'avais pris le souffle destructeur. Je passe pour vendre. Alors, je vends la poignée de rouage. L'extrait là, 3 millions. Régulateur 800 000. Là, ça fait 4 millions de récupérés. Les tuyaux, quasiment rien. Ah, j'ai encore, ouais, j'ai perdu 2 millions 5, 3 millions, grand max. Ah non, et puis derrière. Vendre 10 000. Ah si, il m'a refilé plein de cuivre activé. Ah, j'en ai même plus que. Attends. J'avais pas mis là le cuivre activé? Non. Ah bah, bon, je l'ai gardé, mais il m'en a filé parce que j'en avais moins de 5 000. Donc, je vais juste jeter celui-là. Voilà. Ça, je garde. Ça, c'est pour machin, je garde. Ouais, il file du cuivre activé. Ah, j'ai gagné encore 2 emplacements d'inventaire. Alors, officier, guerrier, recrue. Est-ce que ce serait lui, mon armurier? Non, je pense pas. Frapper, refuser d'attaquer. Fais un geste déplaisant. Oh, j'ai perdu une estime. Oh, t'abuses le jeu. Ah non, Exonef. Et donc, il n'y a rien qui est prédestiné. Donc, faut questionner tout le monde. Et si ça se trouve, c'est pas un viking. Ok. Ouais, je suis quasiment sûr que c'est un viking, mais il n'y a rien qui me le prouve, quoi. Ah ben les autres ils sont en face, oui. Ouais, ben n'empêche, j'ai quand même agrandi 4 fois le vaisseau là aujourd'hui. Hein. C'est bon à prendre. Hein. Demander de l'aide, bon, bah, je crois que j'ai pas le. Je vais pas l'avoir ce soir, mon armurier. Ah si. Ok, c'est lui. Ouais, bah fallait questionner tout le monde, c'est bon? Bon, bah c'est fait, du coup. Il est où C'était recherche d'armement. Voilà, c'est ça. Il faut retourner à la base. Ben, ok. Je jette juste un coup d'œil. De toute façon, ouais, je vais m'arrêter après. Je vais retourner à la base. J'aurais bien acheté un peu plus de frégates pour envoyer des missions. Là, j'en ai acheté qu'une ou deux du coup. J'ai la base. Comme ça, je vais ranger les trucs qu'il y a dans mon inventaire. C'est long. Alors. Qu'est-ce que j'ai arrangé? Le chlore et le sel. Le câblage, je les garde sur moi. Le fécium dans le coffre et le pugnéum aussi.
et la dioxyde aussi. Je vais ranger dans l'exonef les trucs là. Visiblement, je pense que j'en ai plus besoin, mais je vais pas les jeter au cas où. On sait jamais ce qui peut arriver. S'ils me les réclament, je les aurais pas jetés. Ok. Les câblages, d'accord. Ah ben j'en ai là des câblages. Ok. Ici j'ai rien qui traîne, non. Je pourrais hop, juste faire ça. Recharger. Donc ici on est propre. J'en ai un, il me reste plus que deux de ça, d'accord. Des un peu de données, ça j'ai. Ok. Faut que j'aille voir le mec du terminal d'armement. Non, parce qu'il va m'enchaîner les missions, donc non, je vais pas le faire. Par contre, là voilà, superviseur. Je pense savoir ce qu'il va me vouloir. Voilà, vouloir que je crafte le circuit imprimé, je crois. Terminal agricole. Ouais, bah, par contre, je vais le chercher demain, le terminal agricole. Parce que je vais les enchaîner. Là, il veut juste du solarium. Je vais les enchaîner, le terminal agricole. J'ai tout sur, dans le coffre pour tout faire en un coup. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord, la mission n'était pas validée. Oh là là. Je sais pas combien il va m'en prendre. Ok. Je vais le poser quand même. Ah, je savais bien qu'il avait besoin de circuits imprimés. Pourquoi deux circuits imprimés au pluriel? Ah, c'est con. Le plan qu'il va me donner, je l'ai déjà acheté. Ok. Alors, le terminal agricole, non, je vais pas le mettre là. Là, je mettrai l'exonef. Ah ben oui, mais ça veut dire faire le deuxième bâtiment. Ouais, sauf que je vais en faire un en rond. Alors. Moi, je vais la faire là. Attends. Je vais la faire. Ça fait chier qu'ils me la mettent comme ça en hauteur. Ah non, non, je vais pas la mettre au-dessus. Mais ça s'emboîte parfaitement. Mais non, non, je vais pas le mettre parce qu'au-dessus de ça, je vais mettre le biodôme. Je vais mettre où le terme. De toute façon, il faut que ça soit dans le coin. Bah, je vais le mettre là. Mais ça m'emmerde, c'est que du coup, il se met en hauteur là. J'aurais bien voulu qu'il soit au même niveau que lui. Là, il est au même niveau. La porte. Ah, j'ai pas acheté l'autre porte. Bon, bah tant pis. On va mettre celle-là. Et puis, je vais tout de suite lui mettre... Ah, il faut 5 verres, d'accord, pour le biodôme. Par contre, comment ça se fait qu'il est relié électriquement? Il se touche pas. C'est pas normal qu'il soit relié à l'électricité. Mais ça me dérange pas. Tant mieux. Il est relié. Je sais pas par quoi. Qu'est-ce qui permet de le relier? Il n'y a rien qui touche. Ok, bah, je vais pas chercher à comprendre, tant mieux. Je vais faire 5 verres pour le biodôme. Parce qu'il va me le falloir, et puis comme ça, je vais y penser. Ok, et il veut le circuit imprimé. Donc je vais déjà prendre ça, 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 et... Non, pas ça. Et c'est tout. Et ça. Vous savez qu'il m'en manquait. Alors... Pour le circuit imprimé.
il faut un condensateur et un polyfibre. Et voilà. C'est tout. Du coup, je peux ranger dans mon coffre. Attends, je les ai peut-être les 5 verres. Combien il en a fait ? 9 ? Ok. Je pensais pas que ça irait si vite. Et j'ai débloqué l'échelle. Ah bah, du coup, il est plus électrisé. Ah, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je sais pas ce qui se passe pour que le jeu soit bourré de bugs aujourd'hui. Ah. Ah, il n'y a pas assez. Eh ben, c'est pas grave, je vais faire un deuxième générateur et puis voilà, en attendant que je mette des trucs sur le toit, c'est où ? C'est pas ici, c'est pas là, c'est là. Générateur de biocarburant, il faut un plaquage métallique. En fait, il faut plus qu'un générateur, il faut un générateur plus une batterie. Ok, c'est bon, tout s'illumine. Et je vais faire, si je peux les faire les batteries, super. Je vais en faire deux. Et mais du coup, il faudrait les relier à... Je suis tranquille niveau électrique. Ok. Donc le biodôme. Et je vais l'installer ici, le truc qu'il m'a demandé. Agricole. Super. Ça, je sais qu'il faudra que je l'embauche. Parce que quand je vais l'embaucher, en fait, il va me faire faire plein de missions, sauf que je vais toutes pouvoir les faire d'un coup. Ok, du coup, je range tout. Quoique. Oh, je range dans le coffre. J'aime pas la. Je ressortirai, c'est pas grave. Du coup, je range pas bien, c'est fait exprès. Ok. Je vais mettre le verre dans le coffre aussi. Et il faut que je donne le circuit imprimé au superviseur. Est-ce que la mission est toujours active ? Oui. Et je me semble que c'est le dernier truc qu'il me demande. Oui, ben je l'avais déjà. C'est dommage. Ah, il a besoin d'un orbe. Ah ben là, j'en ai pas. Ok. Oui, j'en ai pas.
Et lui, je sais plus ce qu'il veut, mais on s'en fout. Récolter, bah oui, mais ok. Est-ce que, en parlant de la base, est-ce que les archives de l'ordinateur sont prêtes ? Il l'a remis sur l'agrandissement de la base ? Non, mais voilà, ça me sidère. Ah non, 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 il faut... Non, non, c'est pas prêt, il fallait changer de... Ok, pas de problème. Allez, regardez, il me fait disparaître la mission de la classe. N'importe quoi, mais c'est du grand n'importe quoi. Ok. C'est bon, je vais juste... Ah non, non, je veux une sauvegarde automatique, je veux pas une sauvegarde manuelle. De toute façon, ça sert à rien. Même si le cargo il est encore buggé. Finalement, même si le cargo il est encore buggé, je vais pas relancer ma manuelle. Hein. J'ai joué plus de 2 heures depuis, donc. Je vais juste en fait dans l'espace pour essayer de me trouver. Je vais aller près de la station pour essayer de me trouver une ou deux frégates. Pour, comme ça, je les lance pour cette nuit. Souvent comme ça quand on arrête ça pop, mais là, évidemment ça pop. Le jeu doit savoir que j'ai besoin de frégates, donc il m'en donne pas autant que ça. Allez, non, ça veut pas. De toute façon il y a des cargos un peu partout, mais il y en a plus souvent près de la station. Non, t'as pas envie de m'en donner, hein. Ouais, sauf que je vais pas aller dans la station. Vas-y, pop le cargo, t'es pas sérieux là. C'est gavant, franchement. Je me souviens pas du coup si j'en ai acheté une ou deux. Si j'en ai acheté deux, ça ira, mais si j'en ai acheté qu'une, ça ira pas. Bon, bah voilà, je vais me téléporter en cargo. Qu'est-ce que je... Ah, ça me bouffe. Ok. Rien ne m'empêche de sortir de mon cargo pour voir s'il y a des frégates autour. Faut que je regarde combien j'en ai. Si j'en ai 3, ça ira. Et si j'en ai que 2. D'accord, il me fait atterrir ici, d'accord. Bon, ben c'est bon, hein. Apparemment c'est bon, j'ai plus le bug. Ça a l'air d'être ok, le terminal ici est ok. Alors combien j'en ai ? Ah, j'en ai 3, ça va alors. Je peux envoyer. Donc j'ai que du 2 étoiles là. Quelle est la plus longue? Si je peux envoyer une longue, ça serait bien. C'est de l'industriel, pas de bol, j'en ai pas. Oh, j'ai pas de bol. On va quand même essayer, on sait jamais. 2h57. Si je mets mes 3. Ah non, bah, y a rien, il y a que dalle. Ah, une étoile, ok, on oublie. Industriel, donc il me reste que les équilibrés. Ouais, c'est les mêmes.
Ah bon? Bon, bah je tente. Hein. C'est pas comme si j'avais le choix. Allez, on lance. Ça fera une de plus faite pour demain, quoi. Ok. Du coup, est-ce que j'ai des choses à ranger? On va s'arrêter là. Ça, je le ferai demain, le gâteau. Ici, on est propre. Ici, on est bien. Hop. Voilà. Ok. On est ok. Le multi-outil, il est rechargé. Lui aussi. Hop. Et le cargo. Ah oui, j'ai du verre là. Module de frégate. J'avais pas dit qu'il me fallait un truc aussi, je sais plus, avec le module de frégate. Ah ouais, non, je les garde, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qui me permet de. Ok, je laisse comme ça. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir visionné. Mais j'en profite pour remercier aussi ceux qui me. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.